Le président du Real Madrid serait-il à l'origine du départ de Zidane? Jeudi 31 mai, après avoir réussi l'exploit de glaner 3 Ligues des Champions consécutives avec le Real Madrid, Zinedine Zidane a décidé de claquer la porte du club espagnol, évoquant notamment, je cite, « des moments difficiles » que lui et son équipe auraient rencontrés durant l'actuelle saison, qui s'est terminée à la 3e place du championnat espagnol, et surtout, à 17 points du grand rival barcelonais. Mais depuis plusieurs jours, les quotidiens The Sun, AS et Marca ont révélé ce qui pourrait bien être les vraies raisons du départ de Zidane. Le coach français aurait ainsi été en désaccord avec le président du Real Madrid, Florentino Pérez, sur la direction à donner au prochain mercato madrilène, notamment concernant la venue d'un nouveau gardien, dont Zidane ne voudrait pas, puisque satisfait de Keylor Navas et désireux de donner sa chance à Lucas Zidane, l'un des fils du champion du monde 98. L'entraîneur aux 3 Ligues des Champions aurait également voulu faire venir à Madrid le Belge de Chelsea, Eden Hazard, ce à quoi Florentino Pérez se serait opposé. « C'est fini, vous pouvez vous charger de l'équipe », aurait donc déclaré le coach français à son président, avant de définitivement acter son départ et mettre ainsi fin à l'une des périodes les plus prolifiques de l'histoire du Real Madrid.